Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 4. Et donc la dernière fois je vous avais laissé, on avait laborieusement conquéri deux ou trois bastions. On avait perdu encore une grande ville, et là il fallait qu'on en récupère. Donc dans cet épisode on va aller s'attaquer à une des grandes villes qui sont tout au sud. On va régler le problème du sud et ensuite on s'attaquera au nord. Allez, c'est parti. Alors pour ça en fait ce qu'on va faire, c'est déjà on va déplacer nos garnisons. Vous allez voir. On va déplacer nos garnisons. On va laisser tomber. Là, faudrait que j'améliore mes unités. On va laisser tomber certaines unités qui me serviront à rien. Genre la cavalerie mercenaire, on s'en fiche un peu. Les petits fantassins là, on s'en fiche un peu. Ouais. Et puis son contrat, on va garder, parce que de toute façon, on va s'attaquer à une grande ville. Donc, les cavaliers soignants, on va les laisser tomber. Les anciens kerguites aussi. Généralement, tout ce qui est cavalerie, on va laisser un peu tomber. Et moi, je vais récupérer des trucs qui vont faire vraiment bobo. Des petits sergents Rodoc, j'en prends une vingtaine. Des arbalétriers vétérans Rodoc, c'est vachement fort. J'en prends une vingtaine aussi, même un peu plus. Sergent Soidien, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je peux garder? On va récupérer des arbalétriers vétérans. Et quelques lanciers vétérans au cas où. On va monter à 137, hein. On va pas tergiverser. Je vais monter un petit peu ça. Ah voilà, on est à 137. J'ai passé chez le marchand de biens. On est plutôt bon. Et là, on va y aller. Donc, du coup, j'ai pris quand même pas mal d'unités. On va y aller, on va aller assiéger Amerad. Cette fois-ci, on met le paquet, on y va. Ça va être violent. Alors, attendez, parce que... quelques petites unités quand même à monter. Ok, château d'idées, ça regravette. 361, on va galérer, mais ça devrait être faisable. Ça devrait être clairement faisable. Assiéger le bourg. En plus, c'est des échelles. Ça va aller vite. On récupère ça, vous allez voir, ça va être assez violent. Allez, on est parti. Oula. Joli tirailleur. Il y en a qui s'est cassé la figure. Wow. Alors pour l'instant on est plutôt bien. Tiens, prends ça. Alors le tout c'est de pas se prendre trop de... parce que ça c'est des gros trucs qui font bien mal. Oh là là. J'ai quelques petits lags. Voilà. Pour l'instant, ça va plutôt bien. On est plutôt pas mal. On a eu un troupier saranide d'exploser. C'est vrai que les saranides sont pas très très bons. Hein. Leurs unités sont pas hyper fortes. Du coup, pour l'instant, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui nous tire dessus? Ah oui, c'est là-bas. Je crois que moi, je vais faire le tour par là. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire le tour par ici. Ça peut être plutôt pas mal. Je vais essayer de les flanquer. Je suis dans Overwatch, je vais flanquer les unités adverses. Alors le point de spawn a l'air d'être juste à droite. Ouais, c'est ça. Pour l'instant ça va, j'ai subi 0 points depuis le début. Arrête de faire chier toi. Voilà, on est plutôt bien. Pour l'instant, on est à 1 contre 55. Donc ouais, on est bien. Juste méfiance.
Ouais, parce que là, là il y a goulot d'étranglement, ça risque d'être un peu tendax si on essaie de s'approcher par là. Bim! On est bien. Il y en a là-haut? Ah, ça va être vraiment dangereux ce qu'on va faire, parce que il y a moyen qu'on se retrouve au milieu de grosses grosses unités. Mais oh! Voilà, c'est ça, c'est justement ça que je voulais éviter. En vrai, ça va en plus. On perd quelques unités quand même. Ouais, merde. Donc j'évite de m'approcher trop quand ça va repop. Qu'est-ce que je fais? Et ça repop. On commence à perdre quelques unités, il faudra faire juste gaffe. Ça devrait passer, mais c'est tendacre, hein. C'est un bordel. Et mes unités là, mes héros, ils meurent pas, hein. Ils montent de niveau gentiment. Là, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Je suis pas du tout au bon endroit. Ouais, c'est ça. On a un gros problème. Parce que là, j'ai juste plus d'unité en fait. Il faut qu'elles arrivent, il faut qu'elles repop. Et le temps qu'elles repop. Il faut qu'on recule, voilà. 11 morts. 11 morts, 11 blessés contre 139. Ouais, on est pas mal, hein. Là, ça continue de se battre là-bas, hein. Oh là là, il faut un massacre. On a gagné. 22, 11 tués, 11 blessés, tandis qu'en face, 100, 165, 148 tués, 17 blessés. Allez, il reste les rues. Oh là là. 91 points de dégâts. Ah, moi je déconne pas, hein. J'ai arrêté de déconner de toute façon. Il en reste deux. Où sont-ils? Attendez, un là. C'est pas visé. C'était un maître archer. Il est là-bas. Coucou. Tire à la tête. C'est pas long. Il bouge pas. Voilà. Tellement pas d'épicness. Oula. Reste un. Esquive. Esquive. Yeah! Et c'est la win. Et c'est la jolie win. Et j'ai très bien. J'ai très bien. Ou qu'ils sont très forts, mes unités. Pourquoi je fais ça? Désolé. Désolé, désolé. On a fait pas mal d'unités, c'est cool. J'ai pas perdu de sergent, je crois, en plus. Oh là là, c'était tric. Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, j'ai pas mal de mecs à faire up level. En même temps, c'était plutôt facile. On va pas se cacher. Par contre, y'a personne. Merde. J'ai donné quelques unités au cas où. On va quand même donner quelques unités.
Petit saranite du coin. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner? Des archers montés, c'est bon, des maîtres archers, nana, sergent soigné, à la limite, on va les poser, lancier Kergit, archer Serenide. De toute façon, il faudrait vraiment qu'on équipe nos villes plus tard. Mais plus tard. Déjà, ce qu'on va faire. Je vais. Non, pas à la place du marché. Je vais aller taverne. Voir si on peut pas vendre ces mecs. Voyageur, on s'en fiche. Chimera, c'est une héroïne, je crois. Cavalerie mercenaire, on va l'acheter. Imira, non, 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 ok. Ça c'est bon. Donc Amérade est à nous. On va monter le Firentis. Firentis, tu ne me sers à rien à part que tu es hyper fort. T'es plutôt badass. Mathelde, tu me sers à rien non plus. Dans l'équipement, c'est bon, je sais ce que t'as. T'es aussi hyper badass. 65 PV. Tu déconnes pas, hein. Et les alites, tu me sers à rien non plus, je crois. On va te monter la puissance de frappe. Ok. Toi, quoi tu me sers? À rien. Voilà, limite. Je te bourre l'intelligence. Ah non, c'est le charisme. Ah merde. Merde, j'ai pas bourré le bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, j'ai pas bourré le bon. On s'en fiche, c'est un héros un peu trash. Ah, il reste des points de compétence. Voilà. On s'en fiche. Alors, on va aller rechercher des unités du coup. Oh la vache, ça commence à devenir tout vert. On va aller chercher Barry aussi. On s'embête pas, on va aller chercher l'autre truc. On va aller à Almar. Oh, cool. Hop, 1500 deniers en lui vendant le. Voilà. Alors. Gérer. Alors, garnison. On va récupérer les sergents. Les arbalétriers entraînés, on en a plein à récupérer. Les arbalétriers vétérans aussi. Quelques lanciers vétérans. Lanciers entraînés. Qu'est-ce que je peux prendre? Des fantassins soyeux. Après, il y a des trucs, je les prends un peu au pif, de toute façon. J'ai pas trop le choix parce que j'ai pas 36 milliards d'unités disponibles. Voilà. Place du marché. Y a pas des trucs à. Ouais, un peu de bouffe. Ok. Maintenant, on va aller à Barry. On va récupérer ce truc-là. Et ensuite, il nous suffira de récupérer les 2-3 petits châteaux qui traînent chez nous avant de nous attaquer directement aux autres. Allez, c'est parti. Allez, nous sommes à Barry, on va préparer les échelles. Normalement, c'est la même ville, du coup, ça devrait aller. On va leur rouler dessus. On va leur rouler dessus et ça va être très très drôle. Roi, tout de suite. Ah, attendez. Ah merde. Le tout, c'est de monter le plus vite possible, d'éliminer ces tirailleurs dans tous les sens. Ces empêcheurs de d'assiéger en rond. Alors, faisons la place. Voilà, une fois que ça c'est fait. Aïe. Ah, j'ai pris un coup là. Allez! Là-bas. Merde, 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 merde. Je suis une cible facile là. Putain, là, je peux pas passer. Comment je peux faire? Il faut que je fasse le tour pour aller chercher là-bas. Poussez-vous! Comment je peux descendre?
Par là. On va attendre un peu qu'ils descendent. Laissez-moi passer. Oula. Oh le bordel. Je peux pas passer, je suis bloqué. Ah, il faudrait que je puisse descendre. Ah, c'est débile. Oh là là. Voilà, faut faire vraiment gaffe, il tiraille dans tous les sens, ces pelotons là. Aïe aïe aïe. Les tirailleurs, ils font mal, hein. Voilà, faut juste faire gaffe à ça. Parce que là, en fait, on prend vachement cher. Oula, 9 morts contre 71, ouais, c'est un peu chaud, mais on y arrive. Ils sont en train de remonter. Ah! Si vous pouviez arrêter de nous pop dans la figure. Ouh, je crois que j'ai fait un petit tricks, j'ai l'impression d'avoir tourné sur moi-même. Là ça va ripop, ça va ripop, ça va ripop, ça va ripop. Je vais le prendre dans le cul. Oui ça ripop. Putain, lâchez-moi. 11 morts contre 91, je pense que je vais avoir plus de morts que la dernière fois. Oh la vache. Ça va le nombre des pieux là? Voilà. Ouh. Oh là là. C'est pas le nombre de cadavres aussi? Putain, ça va ripop, ça va ripop, ça va ripop. Ah non, ça va pas ripop. En même temps, 123, il y a moyen que ça ripop plus. Hein. Je trouve que j'ai fait tellement un massacre. Bon. Ah, il en reste encore. Ils sont où? Il en reste un. Ah, mais il est là-bas. Voilà. Je suis rouge de sang. Bon, bah 12 tués. Cette fois-ci, j'ai pris un peu plus cher que d'habitude, mais c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'il y en a? Il en reste quelques-uns encore. Ah, je crois que j'en ai vu. Il en reste 3. Esquivez. Oh là là. Qu'est-ce que je suis bon? Les attaques de bourg, c'est plus facile que les attaques de château. Ce qui est quand même un peu ballot.
Et voilà, la vie est à nous. Trop badass. Trop badass. On est beaucoup trop fort. Et la ville qui est à nous, c'est cool. On va demander toutes les récompenses. J'ai fait un succès en plus. Taverne, je vais voir si je pouvais pas rançonner tout le monde. Garde de caravane, c'est bien. Ça me fait des unités parce que j'en ai quand même perdu pas mal. Du miam, c'est bien aussi. Je vais aller poser des unités en garnison. Déjà, on va upgrader nos unités. Alors, il faudrait dans l'idéal qu'on redescende un petit peu notre nombre d'unités. Voilà, je vais poser quelques sergents. Ah oui, mais non. Sergent, on va les garder parce qu'on va aller attaquer un autre fort. Enfin, on va essayer de finir le bousin. Je vais poser tous mes arbalétriers vétérans. Quelques trucs genre la cavalerie mercenaire, j'en ai pas besoin. Les lanciers Kerguid, j'en ai pas besoin. On va aller en rechercher à Almar et après on va s'attaquer au dernier château qui traîne. Parce que YOLO. Parce que YOLO. Ah, c'est ouvert. Ouh, c'est bien. Ouh, que je suis content. J'ai posé combien d'unités à Barry? Ouais, bon, ça devrait aller. Alors, on va aller chercher des unités. Neuf mille, c'est pas beaucoup. Royaume des Rodoks et Royaume des Nords ont fait la paix. Ah, fait yesh. Oh, fait particulièrement fait particulièrement chier. Bon, bah du coup, je vais reposer les unités que je voulais utiliser. Hein. Voilà, on va poser les sergents Rodoks. C'est super, on va poser les tireurs d'élite. Qu'on va faire, c'est que je vais juste récupérer toute la cavalerie. Les hommes du clan Rodok pour pouvoir les upgrade. Les chevaliers. Voilà, je vais poser quoi d'autre? Des chasseurs d'esclaves, la cavalerie mercenaire, les lanciers Kerguit. Le tout, c'est faut que j'ai un peu de place quand même pour les. Va falloir que j'aille en poser ailleurs. Question. Il reste combien? 334? Ah oui, c'est pas beaucoup. J'étais quand même à plus de 100 unités. Merde. Là, je suis à 105 et j'en ai peut-être pas besoin d'autant. Je vais laisser certaines unités dont je n'ai pas besoin. Ah, c'est que de la cavalerie, hein. Si, il y a les arbalétriers mercenaires à la limite. Donc là, il faut vraiment qu'on refasse des unités de distance et de haut sol pour pouvoir en mettre des en garnison dans tous les bâtiments que je vais avoir. Parce que là. Rapport budgétaire hebdomadaire, voilà, je possède Almar, Dirim, Dyrkuba et c'est déjà pas mal. Mon rapport est ouf. Mon rapport est juste fou. Mon rapport est juste fou. Je voulais voir un peu. Ah, bah si j'allais voir à Sargotte s'il n'y a pas la dame. On va faire ça. Je vais aller à Sargotte, récupérer, je pense, 2-3 petites unités au passage. Et on va aller voir notre nana. Attendez, peut-être un petit bilan de comment s'est passée la guerre. Ouais, en fait, la guerre, elle a surtout été énorme de notre côté. Hein. On a fait la grosse guerre de notre côté, et puis après, ils se sont débrouillés un petit peu comme ils voulaient. Allez, je vais direction Sargotte. Alors.
Oui, il y a le roi qui me veut, mais on s'en fiche un peu. Tenter de rendre visite à une dame. Allez, on y va. Bonjour, Dame Mia. Bon, pas tout de suite, il faudrait que je défie l'autre en duel, mais ce problème, c'est que je l'ai en. Je crois que je l'ai en prisonnier, du coup, ça sert un peu à rien. Toc, achetons de la bouffe. Ah non, il est plus prisonnier. Mais du coup, je pourrais peut-être choper le Jarl 5.9. Ah, il est là, je crois, en plus. 4.2, 3.9. Bon, ça, c'est des gardes. 4.3, 5.9. C'est toi. Allez, c'est parti. Je vais me battre en duel. Oula, il va prendre cher. Il va prendre très très cher. Aïe! Voilà, quand même. Pas déconner non plus. Ok. J'ai gagné. Ça, je voulais dire que j'ai gagné. Elle va être ultra contente. 1000 points d'XP, 47 à 49. Et elle veut toujours pas. Ah! Bon, on va essayer de le faire passer à 50, hein. Pas tout de suite. Taverne, y a pas le rançonneur qui traîne? Cavalerie. Ah, rançonneur! Ça me sert à rien de vendre ces unités parce qu'en fait j'en ai déjà tellement de la thune. Je vais atteindre le million. Ah oui, mais je peux pas les upgrade ici. Je vais atteindre le million dans pas longtemps. Alors, va falloir que j'aille chercher de nouvelles unités pour pouvoir les améliorer, hein. On va faire ça. Oh, on a récupéré 2-3 petits châteaux au beau milieu de rien. Ah, quand je pense qu'après il va falloir rechoper Veluca, Yalen, Uxcal. Je vais avoir la moitié du continent à moi tout seul, tu vas voir, ça va être drôle. Bon bah allez, on retourne ici. Pas besoin d'unité soyenne, on en a suffisamment. Je pense qu'on va aller plutôt se balader par ici, du côté de Sarimiche, tout ça. Ah n'empêche, ça m'énerve que le royaume ne soit plus en guerre maintenant. Quoique. En fait, pas tant que ça. Parce que c'est bien qu'il s'arrête d'être en guerre maintenant, étant donné que, ben. Bah, ça me permet de prendre le temps de sécuriser un petit peu mon domaine, parce que là mon domaine commence à être vraiment grand, et il faut que je mette des unités partout. D'ailleurs, je pense que j'aurai jamais le temps de mettre des unités partout, partout, partout. Je pense que j'aurai jamais le temps. Enfin, on verra bien. Ah, des bandits. Ça va entraîner un petit peu mes unités. Ah, toute cette cavalerie. Ah, mais là je vais rouler sur n'importe qui me défie, là je le roule dessus. Hein. Je pense que même le roi à 300 unités là, comme ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Ils ont des chevaux donc. Voilà, ça c'est fait, il y a eu quelques bandits des pertes de bandits. C'est pas très grave. On va recruter des volontaires, voilà. Allez, du côté des pêches.
Hop. Oui, celui-là, il m'aime pas. Ok. On est plutôt pas mal. J'ai des mamelouks. Mais qu'est-ce que je fais avec des mamelouks? C'est des unités de merde. Ok, on commence à récupérer des unités à pied, ce qui est très bien. Moi, je l'améliore et je les poserai en ville. Voilà, je pense qu'on va arrêter là du coup cet épisode parce qu'il était quand même vachement chargé en baston, c'était plutôt cool. Je suis retourné à Almar tranquillement. Ah, Amerad a été filé. C'est pas moi qui l'ai récupéré, Amerad? Ah, d'accord. Bon, bah, Amerad, je l'aurai pas. C'est pas très très grave, hein. Comme ça, au moins, ça m'évite d'avoir à filer toutes les unités là-bas. Faudrait que je fasse gaffe d'ailleurs, parce que s'il me pique mes unités, je suis pas content. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.